Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles. Il est 5h03 ici à Bruxelles, donc 3h33 plutôt à Conakry, cher compatriote guinéen. Alors, intervention politique, bien sûr, je vais parler comme thème d'information de Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba. Il est le président du parti, président ou leader du parti PADES. PADES, c'est le parti des démocrates pour l'espoir, cher compatriote guinéen. Très bien, alors, qu'est dit Ousmane Kaba? En fait, c'est un discours que ce leader a donné, un discours franchement insensé, lâche et hypocrite, que j'ai jamais, jamais entendu de la part d'un leader politique qui se réclame d'être démocrate. Un discours bidon, qui est celui de Ousmane Kaba. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il raconte Ousmane Kaba? Alors, il raconte que, en fait, concernant ou se référant, disons, aux élections du 18 octobre dernier, alors, il dit tout simplement que, bon, écoutez, qu'il a reconnu la victoire de Alpha Condé pour éviter à la Guinée une guerre civile. Donc, pour qu'il n'y ait pas la guerre civile en Guinée, une raison suffisante pour lui de reconnaître la victoire de Alpha Condé, de reconnaître le troisième mandat, n'est-ce pas? Alors, oui, il dit, écoutez, que, bien sûr, à cause de la menace de guerre civile, parce qu'il y avait la menace de la guerre civile, alors, il fallait reconnaître tout de suite la victoire d'Alpha Condé. Ensuite, il dit, je cite, « Je pense que Alpha Condé a gagné, disons, les élections, mais je pense que qu'il n'aurait pas pu gagner d'un seul coup au premier tour. » Il dit, « C'est très bien de se battre, la paix et la fragilité de votre pays, de notre pays, disons, nous commandent de faire attention et de faire, disons, nos ambitions personnelles, et en fait de taire nos ambitions personnelles pour privilégier l'harmonie dans le pays. Et dit ne pas du tout regretter sa décision de supporter Alpha Condé, de reconnaître le troisième mandat, de reconnaître, disons, la victoire d'Alpha Condé. Il ne regrette pas jusqu'à maintenant. Très bien, ça c'est la thèse de, en fait, Ousmane Kaba. Il dit bien, il est leader du parti des démocrates pour l'espoir. Un démocrate, c'est le parti des démocrates qui s'exprime ainsi. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que moi je vais dire à Ousmane Kaba, ce que je vais dire à Ousmane Kaba, écoutez, il n'est qu'un hypocrite, un lâche. Parce que nous connaissons sa thèse réelle, sa position réelle. Vous comprenez? Sa position en tant que leader politique. Il n'est qu'un leader ethnocentriste à 100%. Nous avions déjà écouté antérieurement ses discours, notamment donc sur les antennes d'une radio locale à Cancan. Ce n'est qu'un ethnocentriste qui tente de se préparer ou qui prépare aussi l'après Alpha Condé, une façon de se positionner ethniquement parlant, ethnocentriquement parlant. C'est très clair. C'est ça. Donc, s'il reconnaît la victoire de Alpha Condé, même le troisième mandat, il sait déjà qu'Alpha Condé, en fait, son système est fini. Alpha Condé est fini. N'est-ce pas? Alors, voilà la raison pour laquelle l'homme tente de tout accepter, parce qu'il tente de courtiser la Haute-Guinée. N'est-ce pas? Le fief, donc, du parti au pouvoir de Alpha Condé. Il se bat pour ça. Il a reconnu la victoire d'Alpha Condé pour ça. Il est pour le troisième mandat pour ça. Quand Alpha Condé va quitter, il tentera de se positionner pour la récupération politique électorale. Il n'y a pas autre chose. Sinon, quel poids a-t-il, disons, le PADES, ce parti-là, pour avancer que, écoutez, nous reconnaissons la victoire d'Alpha Condé, nous reconnaissons le troisième mandat. Ainsi, par cette manière-là, on pourrait facilement, disons, empêcher la guerre civile. Donc, le fait de prendre cette décision, donc que la Guinée a évité la guerre civile, quel poids a ce parti pour finalement avoir de tels effets, donc sur le climat politique guinéen? Quel effet? Absolument rien. Qu'ils reconnaissent ou non, écoutez, la guerre civile. Et écoutez. Il y avait la menace, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Donc, la guerre civile, si la guerre civile doit avoir en Guinée, n'est-ce pas? Écoutez, c'est ça, inévitable. Mais ce n'est pas un parti comme PADES qui va faire des actions ou ces décisions qui vont finalement pousser à éviter une telle situation. Ce n'est pas vrai. Alors aujourd'hui, il dit qu'aujourd'hui qu'il est fier de sa décision parce qu'aujourd'hui en Guinée, il y a la paix, tout est tranquille, n'est-ce pas?
Ousmane Kaba. Il y a le silence, il n'y a pas la paix. Il y a le silence, il y a ce qu'on appelle la tranquillité, mais un silence ou une tranquillité imposée par la terreur, des armes. Alpha Condé a tué les gens, il a tué les citoyens, il a tué les militants d'un parti politique. Il a sémé, on appelle ça, sémé de la terreur dans la cité. Ici, il y a le silence, c'est cela. N'est-ce pas? C'est cela. Ce n'est pas une décision du palais. Non. Il y a un silence, il n'y a pas la paix aussi, Ousmane Kaba. Parce que Ousmane Kaba est incapable même de dire que, écoutez, ces élections du 18 octobre ont été franchement très malheureuses parce qu'il y a eu des morts. Il n'en parle pas. Il se félicite de sa décision. Par ma décision, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de guerre civile en Guinée. Il n'y a pas eu de guerre civile. Parce que dans certains partis politiques, si, il y a eu guerre civile. N'est-ce pas? Dans l'UFDG, appelons ça la guerre civile. Guerre civile, donc contre donc UFDG. Non, où ces militants ont été massacrés par les armes. Froidement massacrés. Là, Ousmane Kaba n'en parle pas. Il est fier de sa décision. Ousmane Kaba. La paix maintenant, la tranquillité maintenant, c'est imposé par les armes. Je me rappelle une... anecdote donc racontée par Lansana Conté, l'ancien président, qui disait par exemple quand on lui avait posé des questions après son coup d'État le 3 avril en 1984, on lui a dit mais monsieur Lansana Conté, les journalistes français qui le demandaient, mais on n'a pas compris. Vous prenez maintenant en fait, vous faites maintenant le coup d'État militaire, n'est-ce pas? Mais pourtant vous étiez derrière Sékou Touré. Qui s'était-il passé? On avait l'impression que tout se passait bien. Lansana Conté dit mais écoutez. Vous savez, il a expliqué ça très clairement. Il dit, c'est comme si vous êtes dans une pirogue. Vous comprenez? Sur un fleuve. Vous êtes dans une pirogue remplie, totalement blanche, remplie comme une boîte de sardines. Donc, remplie de gens. Mais autour de vous, dans le fleuve, il y a les caïmans partout. Les caïmans prêts à bondir sur quiconque se mettra dans l'eau. Partout entouré. N'est-ce pas? Dans cette pirogue-là, là, ça n'a compté qui vaut la question. Aux gens, dans cette pirogue-là, il dit, madame, que pensez-vous? Il n'y aura pas la tranquillité, le silence, le calme dans cette pirogue? Il y en aura. Mais ce silence-là, cette tranquillité-là, pensez-vous que c'est de la sagesse des hommes dans la pirogue? C'est parce qu'ils sont bien éduqués ou c'est parce qu'ils sont patients? Non, la peur de se voir dévorer par les caïmans. Parce que si vous tombez, si vous vous faites beaucoup de mouvements, la pirogue se renverse, vous serez tous dévorés par les caïmans. Et là, ça n'a compté pour terminer. Cette tranquillité-là, ce silence-là, n'est-ce pas, n'est pas fruit de la sagesse, de l'éducation. Non, c'est imposé par la peur. Donc, c'est la même chose, en fait, Ousmane Kaba. Aujourd'hui, s'il y a le silence... Il y a la tranquillité, disons ainsi, entre guillemets, n'est-ce pas? Peut-être on ne manifeste même pas. Parce qu'il y a la peur, il y a la terreur. Ce n'est pas parce que nous sommes, en fait, polis par, dans le sens du respect des lois, par la sagesse, par l'éducation. Non. À nous, c'est chaud. À nous, il y a le désaccord. On n'est pas d'accord avec le système, on n'est pas d'accord avec le président, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement. Mais la peur de se voir massacré, oui, ça crée le silence, la tranquillité, Ousmane Kaba. Mais les conséquences de ça aussi, n'est-ce pas? Quand cette peur-là va quitter, ou cet élément qui crée la terreur va quitter, ou tout simplement se détériore, et là vous verrez, si le silence, la tranquillité qui existait était réellement vrai ou provenait de la sagesse ou de l'éducation. Ousmane Kaba. Très bien, Ousmane Kaba. Pour terminer, nous savons tous la motivation de Ousmane Kaba. N'est-ce pas? Alors, il était satisfait de sa décision. Alpha Condé, il reconnaît Alpha Condé comme président de la République. Il reconnaît donc le troisième mandat. D'abord, il se dit démocrate, parti des démocrates. Un démocrate qui raisonne ainsi, de façon insensée, hypocrite, lâche. Mais je dis bien, nous connaissons la motivation de Ousmane Kaba. Ousmane Kaba était ethnocentriste, c'est clair et net, n'est-ce pas? Il cherche la récupération politique électoraliste. Il veut la Haute-Guinée pour pouvoir se positionner politiquement parlant. Mais il sait que, au vivant de Alpha Condé, il ne pourra pas, n'est-ce pas? Alors, il faut attendre que Alpha Condé soit dégagé, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps-là, il faut pouvoir, s'il faut dire, courtiser
l'électorat de la Haute-Guinée. Courtiser l'électorat de la Haute-Guinée. Discipliner, montrer à la Haute-Guinée que oui, je suis avec ce leader que vous admirez aujourd'hui. Il faut qu'il démontre ça maintenant. Que oui, vous avez vu, j'ai soutenu Alpha Condé et son troisième mandat. Vous avez vu, j'ai reconnu les élections du 10 octobre, la victoire d'Alpha Condé. Ça, c'est un message adressé à la Haute-Guinée, à l'électeur de la Haute-Guinée. Quand Alpha Condé ne sera pas là, comme ça, il se positionne. C'est clair et net. Donc, la décision de Ousmane Kaba, en disant, je reconnais la victoire d'Alpha Condé, je reconnais le troisième mandat, c'est loin donc, de ce raisonnement qu'il le fait pour éviter à la Guinée une guerre civile. C'est faux. C'est un positionnement ethnocentriste de récupération électoraliste qu'Alpha Condé ne sera pas là. C'est le politicien le plus détestable qui puisse exister actuellement en Guinée. Nous parlons d'Alpha Condé. Oui, Alpha Condé, c'est un politicien pourri. Mais je vous dis, les plus pourris encore, c'est ceux-là qui font semblant, n'est-ce pas? Ils font semblant qu'ils sont bons, ils font semblant qu'ils sont des démocrates, ils sont les plus dangereux. Ousmane Kaba fait partie de ces gens-là. Un ethnocentriste pur et simple, cher compatriote guinéen. Merci. Voilà, c'était l'ami de la camarade de Public C. Merci pour l'écoute. Bonne journée.